Lundi, début d'après-midi, une crissa au volant, un domino qui aboie comme d'habitude. Allez, la contre-visite de Foxy. Là, je bouge pas, je vais attendre Crissa. Je vais attendre le SMS de Crissa pour me dire si c'est bon ou pas. Est-ce qu'on va pouvoir quitter cette terre de camping-car à Fessenheim, Fessenheim en alsacien. Elle y va tout doucement. Tout doucement, tout doucement. On est un peu tendu là, j'espère vraiment, vraiment que je vais recevoir son petit mot pour me dire c'est bon. Et quand ça sera bon, si elle me dit que c'est bon, bah là je vais prendre la route pour la prochaine étape. Mais là je bouge pas. Depuis le mois d'avril, j'ai trop l'habitude qu'à chaque fois il y a quelque chose et que Foxy a un problème mécanique et qu'on soit obligé de rester sur place ou revenir. Là, elle va s'occuper de remettre un peu d'eau. Donc moi, je reste là en attendant. Je ne bouge pas d'un pouce pour attendre le verdict de la contre-visite. Bon, Foxy a une nouvelle rotule. Elle a une belle rotule, toute belle. Donc tout devrait bien aller. Elle nous fait le tour du parking carrément. Non, mais franchement... pour arriver pile en face de des eaux usées et tout. Bon, je vais rentrer parce que, je sais pas si tu le vois, mais il pleut. Donc là, je vais rentrer en attendant le fameux message. Bonjour les chéris. Donc ça y est, Foxy est parti. Ça fait 2 heures, allez, à peu près que j'attends le verdict. Est-ce qu'on va pouvoir partir ou pas de Fessenheim, Fessenheim en alsacien? Est-ce que le dernier, j'espère le point final pour Foxy, de la contre-visite? Et là, c'est bon. Crissa vient de m'envoyer un SMS. C'est bon, on peut partir. Moi, j'avais pas bougé en attendant. Parce que depuis avril, c'est vrai que Foxy nous en fait voir de toutes les couleurs. On a beaucoup, beaucoup adapté les choses pour la mécanique de Foxy. Bon, j'espère cette fois-ci, Foxy, qu'avec la contre-visite du contrôle technique, ça sera fini. On va pouvoir voyager, on va pouvoir rouler. Oh là là, tu sais, Foxy, tu nous en as fait des misères. Oh oui, et plein de soucis, hein. Bon, allez, maintenant... je vais démarrer, je vais remplir Coquelicot d'eau, faire une petite vidange, et puis voilà, là on va se diriger tranquillement à la future étape, et là on va passer la frontière, mais pas très loin, hein, parce que comme on vous a dit, on va revenir en France, à Haguenau, pour la poste restante. Voilà, le SMS encore, ça doit être Crissa qui m'envoie encore un SMS pour me dire qu'il y a un truc et tout. Attends. Je vais le regarder. Attends, si je prends le téléphone à l'endroit. Bien sûr, il suffit que je sois là. Voilà, elle est toute heureuse. Ça y est, on s'en va. C'est bon, quoi. Plein de smileys et tout. Voilà. C'est bon, c'est bon. On s'en va d'ici. Franchement, mais c'était très bien. Hein. C'était très, très bien. De très, très belles rencontres. Des rencontres très fortes. Les Alsaciens, ils sont vraiment le cœur sur la main. Beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup, plein de belles choses. On a rencontré aussi Portugais, des Allemands. Très, très, très bien, cette terre. Un petit hic à cette terre de camping-car. C'est dommage. Pour l'électricité, c'est 2,50 €. Bon, pour la totalité de ce que tu fais, mais tu n'as qu'une demi-heure l'électricité et il faut que tu restes, tu sais, au point flot bleu. C'est un peu dommage. Bon, voilà, ça te... permet de rebooster un peu ta batterie, c'est tout. Mais bon, c'est dommage. Voilà, c'est le petit truc, c'est tout. Oh, sinon, franchement, c'est bien. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, bravo à Fessenheim, hein, quand même. Bon, allez, maintenant, go, go, go!
Nous retrouvons quelqu'un que nous connaissons bien. Quel est ton nom? Moi, je m'appelle Domino. Et là derrière, c'est Krisa. Attends, je m'approche. Du micro. Je m'approche du micro parce que... Oui, messieurs, dames, nous sommes bien arrivés sur un spot que je connais depuis 2 ans, que j'ai déjà adoré il y a 2 ans. On y retourne ici et c'est chouette. Non, mais contente, hein? Ouais. Super contente, ouais. Là, hein? Ouais. Ouais, on a enfin quitté Fessenheim. Enfin, on a bougé. C'est pas qu'on n'était pas bien, non, mais rester sans bouger au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Non. C'est bon. On est resté combien? On est resté presque 15 jours. Ouais, ça va. Presque 15, avec une petite interruption au bord du Rhin. Et toi, t'as pas pris la même route que moi, toi, aujourd'hui? Non, j'ai pas pris la même route parce que c'est vrai que j'ai oublié complètement de donner à manger à Coquelicot, donc il lui fallait du gasoil. Donc j'ai pas pris la petite route le long du Rhin, ouais. J'ai pris la grande route en passant du côté de Colmar et de Strasbourg. C'est bien. Voilà. Et toi, par contre, t'as pris la petite route? Moi, j'ai pris la D20 qui longe, ouais, le Rhin. Ouais, c'était vraiment chouette. Belle petite route, pas trop de monde, ça va. C'était vraiment, ça roulait bien. Nickel, bon. Impeccable. On va faire voir comment on est installé. Ouais. Là, on ne s'est pas gêné, il y a de la place, de la verdure, on est super bien. Là, on est vraiment au milieu des champs. Hein. Ouais. Alors, j'étais ici il y a 2 ans et puis je me suis rendu compte que, vous voyez le parking là, ça c'est le parking principal de la plage, parce que la plage c'est ce côté-là. Derrière les arbres, il y a un petit étang qui est vraiment prévu pour la baignade. On va voir l'étang. On va voir l'étang. Tout de suite. Là, on est en semaine, donc c'est vrai, le week-end, il y a un peu plus de monde, mais en semaine, il n'y a pas de souci, on peut se mettre... De toute façon, si on voit qu'il y a du monde, on rangera le camping-car et puis voilà, on verra. Là, on ne gêne pas du tout. En semaine, ça va. Alors là, on a encore une clairière. Un panneau avec plein d'interdictions. On n'a que 2 autorisations. Les chiens laissent et nager. Plonger. Même plonger. Donc t'as pas le droit de nager, t'es obligé de plonger. Voilà. En gros, voilà. Donc t'as pas le droit de nager en surface. Domino, t'as pas le droit de nager. Ah, c'est joli, hein. Ah, c'est vraiment joli. C'est très joli. C'est très joli, et puis la plage, attends, je ne sais pas si on peut la passer. L'étang, sentier là. Ça, c'est le chemin qui fait le tour du lac. Ah, c'est chouette. Ouais. Oh, petit escalier même. Ouais. Oh, demain, baignade. Même moi, je me baigne ici. Ça veut dire quelque chose. Sur ce, nous allons vous laisser. Nous allons nous poser. Nous reposer. Et re-reposer. Et poser. Salut tout le monde. Ciao, ciao.